bienvenue dans ce 23e épisode de COP avec Martin, où du coup nous étions... Alors, t'as mis la résolution auto ? Ah non, c'est non décidé encore, comme d'habitude. Du coup, on a mis trop de temps. Du coup, on va faire la bataille. On était resté du coup sur cette... ouais, on est resté sur cette grosse grosse bataille d'interception souterraine de la WAG Pau Verte, qui a des unités à rang. Donc il va falloir faire attention, ça va être une grosse bataille décisive, je pense. Ça va être une bonne bataille, ça. Bataille décisive pour Martin, et puis ben du coup, pour moi, bientôt. Alors, moi, je vais te filer comme d'habitude, hein, tout ce qui tire. Ouais. Moi, je vais faire mon petit mot. Alors, tac. Tu vas venir ici. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je garde mes deux marteliers en réserve, ou est-ce que je fais le mur avec? Non, il y a 5 unités de... Ah, le problème pour les arquebusiers, c'est pas la meilleure carte non plus. Non, du tout. On est sur les côtés, puis il faudra contrôler. Ouais, exactement. Donc on va faire comme ça, groupe 2. Je te protégerai avec mes tueurs. Allez. On enlève le petit rallye, le machin. Ça, on enlève. On avance un poil les catapultes quand même. En fait, tu vas avancer. Je pense que je vais activer le mode garde pour cette bataille qui. Je sais pas. Tu vas avancer ou pas? Je vais laisser venir, je pense. Parce que mes catapultes... Alors, est-ce que tu peux avancer un poil, histoire que je mette mes catapultes tout devant, comme ça elles peuvent tirer le plus rapidement possible? Ouais, je suis plus devant possible. Non, mais après, une fois que tu auras lancé. Ah oui, je les mets tout devant. Ouais, ouais, je les ai mis tout devant, ouais. Vas-y. Ah, sans souci. Donc moi aussi. Y'a pas une petite pente? Si, y a une petite pente... Ouais, elle est petite, mais... Ouais. On peut se mettre quand même dessus. Je vais mettre dessus avec les archers. Les arquebusiers, du coup, bah. On va mettre un ici. Tu parles de celle-là? Hein? Ouais, ah ouais, celle-là. Nos catapultes, on va laisser venir. Alors, je vais mettre ma tueur sur les côtés, quoi. On va mettre comme ça. Ah merde, faut que tu focuses leur. Leur, si possible. Leur quoi? Leurs archers montés. Ah. Parce que mes tueurs, ils vont se faire déposer ici. Ici, leur cavalerie de base ou que les archers? Parce que les archers, bon, moi je peux les focus. Cavalerie de base, je peux prendre avec les tueurs, c'est de l'anti-large, mais par contre. On va prendre, on va focus les costauds. La cavalerie, pas de soucis. Là, je vais pouvoir être à. Ok. Voilà, faut tirer là, attends, ici. Ouais, là c'est bon, j'ai la range. Allez, go. C'est une WAG ça, mais c'était là. Ouais, c'est la WAG, je crois, ça. Hein. Ça, ouais, c'est la WAG. Ah merde, j'ai aussi l'artillerie, c'est quoi. Ça rate. Bien touché. Voilà, c'était un bon tir là. On va faire plutôt ça là. Et celle-là, on continue. Allez, archers gobelins de la nuit, c'est parti. Tout seul, ouais, ouais. On focus les archers, full focus archers. Les arquebusiers, on bouge un peu. On se met là, vous... Attention, ça risque de passer à droite. Ouais, je te laisse devant. J'ai envoyé les tueurs, c'est bon. Ouais, je laisse les tueurs. Je vais devoir beaucoup micro-gérer les tueurs, hein, si jamais. Vas-y. Ok, donc l'archerie, c'est mort. Toi ici, toi ici. Ok, donc c'est ça que tu nous as niqué, les archers gobelins de la nuit là. On va niquer aussi ceux-là. Alors tes tueurs, tu peux les envoyer sur les gobelins de la nuit sur Squig là, t'arrives? J'ai envie de voir, ils ont passé, mais ça... Je vais m'en occuper, ils vont se faire désosser. Ah, les tueurs, ils les ont bien captés, même. Pouf.
Vous, toi ici. Toi ici. Toi essaye d'aller là. Toi essaye d'aller là. Vous. Oh là, ils sont violents. Oh, ça, c'est bien, ça. On continue sur les archers gobelins. Allez. Hop, de ce côté là, ils ont fui. Vas-y, on passe. Char à l'ougon. Si on passe de cette allée. Je vais quand même envoyer les tiens ici. Trop de dalle. Allez, on se met là et on shoot. Oui. Ça, c'est quoi ça? Parade lance projectile, 22%. C'est nickel ça. On va y foutre ici. Ouais, là je suis en train là. Alors là, là tu vas faire du dégât à moi. Hop. Là, go. Alors eux ils sont fait intercepter sur la gauche par contre. Allez, go. Les chers assemblés sur les deux côtés aussi. Ah, les arquebusiers, quand ils vont commencer à tirer, ça va être vite. Ah, j'ai un long barque à flancher, tiens. Ah, c'est une jolie bataille. Là. Voilà. Oh, sympathique. Oh, ceux-là. Ceux-là, ils ont bien. Ok, on passe sur le côté. Ici c'est bon. Vous, vous allez assister de ce côté là. Vous, vous assistez celui-là. Tous ceux-là ils font quoi? Ceux-là ils sont en train de. On se met plus comme ça nous. Bon, une petite arquebusée qui va mourir, c'est pas grave. Ah, il y a des humiliants. Attention, ils sont perservants. Ok, go. Allez. Attention, il y a un sort là. Voilà. Ok, on fait cela maintenant. Ok, go, changer de cible maintenant là-dessus. Ou là-dessus. Voilà, je sais bien. On va essayer d'en flinguer le plus possible. Idéal. Ça sera top tiré. Catapulte ici. Là, tu vois, je suis bon pour me replier là. Hein? Là, je suis bon pour me replier. Ouais. On a perdu l'unité d'arquebusier. Ouais. Celle du côté gauche là. Non, c'est pas très grave. Si je peux flinguer le chef de l'eau, ce serait bien. Bon, ils ont bien ramassé aussi. Ouais, ils ont ramassé. Ouais. Très largement. Ouais, tu peux passer là, je pense. Je vais essayer de tuer le chef, voilà, il arrive pas à sortir. Ah non, peut-être qu'ils ont survécu. Ah ouais, peut-être. Ils ont fui. Alors. Toi, t'as 80 morts quand tu les places bien, ça fait du. Ah oui, quand tu les places bien. En pas beaucoup de temps en plus, hein, c'est ça le truc. Ah non, très peu de temps, t'imagines si tu les. Ouais. Tu peux aussi les mettre en hauteur, ça marche aussi bien. Ouais. Bah c'est pareil, il faut les faire flanquer l'ennemi quoi. Flanquer ou derrière. C'est ça qui est compliqué. Faut vraiment attendre que la ligne soit faite quoi. Ouais. Bah non, ils ont sauvé. Ils sont foutus. Bah écoute, hein, tant mieux. Hein. Prends la régène du coup. Ah oh, ouais. C'est bien, ça va faire pexer mon maître des rues. J'ai pas de régène. Ah
T'as pas la Raiden? Ah mais ils sont même à Ishen, les orcs qui sont descendus. J'ai dit ils sont en Ostermark. Ouais, tu vas prendre l'accord commercial avec eux, non? Ah non, t'as pas eu, Lauterne. T'as pas essayé de demander? Non, ils ont pas essayé de demander. Je peux vraiment pas commercer, je les ai pas découverts et puis. Ah oui, mais t'as pas de port majeur pour ça? Si, j'ai le port à Baragvar. Ouais, peut-être pas considéré comme un port majeur du coup. Mais je vais monter jusqu'à Zoyen. 5-6 tours, je pense que j'y serai. Puis je vais tirer sur la gauche, puis je vais traverser tout le monde. Ah, la Norska qui déclare la guerre à tout le monde, tiens. Ouais, j'ai vu. Ah, bon. Par contre, moi, je suis en première ligne quand le pop du chaos va se faire, mon pauvre. Ah ouais? Ah bah... Moi, je suis assez tranquille, alors, de ce côté-là. Ouais, moi, par contre, je vais me taper des vagues, là, sur les îles sorcières. Des fois, t'en as un petit peu sur les côtes, mais là, c'est les orques épiques et moi qui les ont. Donc, ok, ils ont plus d'armée. On va pouvoir y aller. Ouais. Donc je pense que là on aura eu deux belles batailles sur ce. Ouais. Putain, on va prendre la scie parce qu'on va se battre. Lame ensorcelée, 1000 de thunes. Les bâtiments coûtent cher avec les rois des tombes ou bien. Ah ouais. Bah ça me coûte 6000 de passer une caserne au niveau 3 quoi. Ah ouais, quand même. J'espère que je tiens la rébellion. J'ai peur de pas tenir la rébellion. Ah si, tu me diras, il y a des murailles donc c'est bon normalement. C'est une rébellion qui a pompe à Alcaïque là dans pas longtemps. Ah ouais, ouais mais y a rien comme garnison. Hein. Alors, on va s'approcher doucement. Encore doucement. Ok. On va attaquer. Ah, oh, tu vas les violer là, celle-là. Non, je vais encercler. Je la prends. Faut mettre un sac puis la capturer celle-là. Tu penses? Bah au moins t'as une cité en avant pour voir ce qui se passe déjà. Voilà, je me tâte si je l'occupe pas directement, parce qu'il y a quand même un centre de recrutement de niveau 3, si je le récupère... Ah oui, c'est vrai, c'est des rois des tombes, ouais. Dans notre cas, faut la capturer d'une façon ou d'une autre. Alors attends, je vais juste m'avancer un poil avec Arcane, pour qu'il vienne nous assister avec les XP. Hop. Allez. Oh là là. Ah, c'est bon, normalement. Voilà. Oh, tu me fais rien perdre là, hein. Je suis à 80... quoi, 95. Allez, moi je mise sur l'Arche des damnés. Oh putain, allez, je pète un câble là par contre. Attends, ouais. Allez, on occupe. Voilà, ça va te faire... Voilà. Ah putain, je les ai pris que niveau 2 quoi, les bâtiments. Il faut ouais, c'est toujours comme ça, quand tu captures une ville, ça descend un cran. Normal. C'est pas grave, on va recruter. Ah, je suis en global avec lui, alors on va. Ah merde. Comme ça, après, tu vas étendre du désespoir. Accès à la tourmente. Alors, toi, tu vas me prendre du coup. Bah, tu vas me prendre ça. Comme ça, toi, tu vas me prendre ça. Ah ouais, t'as pas mal de guerriers de Nekara maintenant, c'est cool ça. Ouais, je vais avoir de la cavalerie aussi. Donc du coup... Les chars, faut les garder, hein. Ils sont bientôt ronds. De quoi? Les chars, faut les garder. Ah oui, les chars, bien sûr. Les chars, je les garde. Encore les chars archers, on s'en fout un petit peu. Du coup, on a l'attaque éclair. Ah non, c'est pas avec lui. Avec lui, on a... Ah nous, on était parti full dommage. Hop. Par contre, là, on a l'attaque éclair. On va y arriver. Voilà, hop. Et là, ça va faire la diff. Ok. Je regarde juste ce que je peux recruter rapidement. Il me reste quoi, 2 minutes 50, faut que j'aille vite. Je peux recruter 2 cavaliers, des archers et des cavaliers squelettes. Archers. Je me demande en fait. J'ai pas de cavalerie dans cette armée, tu me diras. Ouais, si j'ai que les chars archers squelettes. On va enlever ça. On va en enlever 2. On va prendre 2 unités de cavaliers squelettes. Hop.
Allez, comme ça c'est bien le bon qui recrute, hein, c'est lui, voilà, un, rang 1 pour toutes les unités. Lui ok, pour moi c'est bon, j'ai 6700 de thunes. Deux tours, on garde notre thune encore, on va pas passer ça niveau 3. On va attendre de pouvoir recruter un gros gros bâtiment. Là, on a avancé. Dans un tour en plus on a notre nouvelle armée. On passe, et rébellion ici on le sait, c'est à Martin. Merci bien. Alors, moi j'ai des couvertes qui réussissent à me passer devant. Ça me casse un peu les pieds. Raid empêché. Je préfère pas l'autre public, j'ai pas besoin de taper les pieds. Alors, passer en mode tunnel. Ou en mode marche. Je sais pas ce qu'il y a de marche. Monter quadrille. Appuie sur la touche V. V. Ouais. Ça accélère les mouvements des troupes normalement. We march. Ah, yes, ils vont pas intercepter et je régène. Maintenant, toi, on va partir sur Vatican. Mettre des runes, on va partir sur. Alors, les runes, qu'est-ce qu'on a ? Plus 30 d'armure, plus 30. Par contre, tu vas pas te faire niquer par les pouvertes là, Azag ? Faut que j'essaye. Parce qu'ils, je pense qu'ils vont te niquer là. Hein. Pire, je me replie. Hein. Bah non, t'es en mode souterrain. J'ai pas trop le choix. Ouais. Toi, j'avançais, puis j'étais au niveau du Mongunbat, puis ils avaient qu'à revenir en arrière. Ouais, 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 fallait. C'était ma chance, espérant qu'ils m'interceptent pas. Ouais, ouais, c'était chaud. Ouais. C'est vrai, j'ai pas trop le choix. Quoi. Maintenant, ici, il faut que je passe une ville. Ou trois là. Ici, tac. Et on va attaquer. On a encore le temps pour la bataille ? Ouais, vas-y. C'est bon. Ça, ça fera une grosse bataille. On a une tour de siège, ça en fait. Je pourrais mettre mes tueurs dedans et on prendra d'assaut les. Tout en plus, comme les longues barbes, franchement, ils sont bien boostés. C'est tout à fait jouable. Je vais ramasser, mais c'est jouable. Ça va être une belle bataille, je pense. Ouais, je pense aussi. Ce qui va être chiant, c'est pareil, c'est que c'est les arquebusiers et l'artillerie, quoi. Pour l'artillerie, tu. À la limite, tu feras que t'en mets deux sur les portes, puis deux sur les. Tu feras les tirs. Ouais. Ça, on va se passer à gauche. Du centre. Après, comme ils sont beaucoup, il y a peut-être moyen de les choper et de leur tirer un peu dessus. Ah oui, faut que c'est les orques en priorité, ouais. Bien sûr. Non, tout ce que tu peux attaquer. Quoi. Alors, bon, je vais te filer l'artillerie déjà. Puis les arquebusiers. Bon, les arquebusiers, je les file aussi, tu les géreras. De toute façon, on peut pas en faire grand chose. Les rangers, on va les mettre là. Ils prendront d'assaut les murailles de leur côté. Toi, tu vas lâcher le. Toi, tu vas la récupérer. Eux, ils vont se mettre ici. Là. Si je les monte sur les murailles, les arquebusiers ils tirent ? En bas ? Oui, oui, ils tirent. Okay. Faut juste bien les positionner, ils peuvent tirer ce qu'il y a en bas. Mais mêlez pas du côté des rangers. Hein. Non, de toute façon, je mets rien du tout pour l'instant. Hein. Les arquebusiers ils rentreront une fois que tout le monde sera rentré, quoi. Oh, oui, bien sûr. Ça. Tiens, je te file aussi de mettre ingénieur vu qu'il a été. Vu toi, bah tu vas te mettre ici. Hein. Bah t'es prêt ? Ouais. Ah, petite pause. Est-ce qu'elle aurait ? Je mets la pause en attendant. Les tueurs, on va les mettre ici. En fait, je suis en train de regarder. Là. Le canon, ça tire en l'air ou pas ? Non, je crois pas, non. Mmh. Je crois que ça tire en ligne droite les canons. Ouais. Je vais pas dire de conneries, mais. Non, je crois, ouais. Nickel. Ah, niveau optimisation de l'espace, on est top. Parfait. Alors, les orques noirs sont les murailles. Tour grim, Tour grim, il a son. C'est marrant, il y a personne sur les murailles. Ils sont camouflés. Peut-être. En tout cas, ça tire par-dessus les murailles là.
Là pour l'instant, ouais, parce qu'ils étaient à ranch, mais. Ça y est. Ils ont que des archers Golden Land. N'empêche que s'ils ont pas foutu d'orques noirs sur les rails, ça peut être bien pour nous. Ouais, c'est vrai qu'ils ont foutu là. Parce que là, tu poses les arquebusiers en bas, puis t'allumes les orques noirs, ils vont descendre tout seul. Ils sont là, il y a des sites de travail. Là, ça fait mal, c'est vrai. Il sort ici. Là, il n'y a pas d'orque noir sur les rails, c'est incroyable. Et c'est tombé. Mettez-vous là en fait, vous. Là. Ça va aller. Là. Portiner. Parfait. Alors, les rangers de Bugman, on va se poser ici comme ça. Comme ça surtout. On va tirer un peu. Qui vont aller à moi. Ah, les... si, il y a des orques noirs sur le mur. Il y a une unité. Ah non, elle est descendue. Tant pis, pourquoi ils sont cons. Bon, vous avez tiré un coup là, l'artillerie là, rien foutre. Le mec qui s'énerve quoi. Non, mais putain, sérieux quoi. Là, je t'entends en écho. Ah. Peut-être quand t'élèves la voix, je sais pas. Non, mais non, autant. Regarde-moi ça, il s'approche comme dit. Putain, j'arrive pas à placer mes rangers correctement. C'est quoi ce game ici? Allez, mais placez-vous, bande de tocards, c'est pas possible ça. Fais feu ici, toi. Ah, c'est bien, ça tire. Ça enlève, ça tire. Je te jure, j'arrive pas à les placer, c'est con. Allez, bougez-vous, vous mettez là. Ouais, je t'entends un petit peu en écho, effectivement. Bizarre. Oh, t'as fait monter les arquebusiers par ce côté-là. Ouais. Oh, ils vont tellement s'en viser. On continue de les fracasser, oh, c'est très bien. C'est ça qu'on veut. Attends, j'ai enlevé mes rangers, je vais te faire de la place. Tu peux mettre tes arquebusiers à droite. Ouais, les arquebusiers à gauche, je les ai mis aussi, tout à gauche. Oh, t'as bien fait. Bon, je me demande si je vais pas les descendre parce qu'ils commencent vraiment à fouler ici. Bon, je pense qu'ils tirent. Je laisse aller tirer ou ils descendent. Qui tire sur les orques, hein, c'est pas grave. Ça ira. Ouais, c'est un peu trop loin. Essayez de me viser tout ça, les gars, là, vous. Non, sur les orques noirs, toi, c'est moi qui les ai. Toi, tu vas descendre. Je vais descendre. Tu peux aller avec des orques noirs, j'ai pas eu. Mais ce sera un peu pour faire ça, mais. C'est comme ça. Toi, tu tires là-dessus. Puis eux, ils descendent. Je ne peux pas descendre. Putain! Arrête de rager, voyons. Ça sert à rien. Non, c'est catapulte là, ça sert à rien dans les batailles de siège. Oh non, l'artillerie dans la bataille de siège, va péter les portes. Moi, c'est bon. Fait. Ah, c'est fait? J'aurais eu tordu. Ils tirent tes arquebusiers ou ils essayent, je crois, mais ça marche
3-1. Ah, ils ont fait 2 morts. Ah non, les autres ont fait 20 morts. 0. C'est bien, c'est bien. Je t'ai dit, c'est nul. On va les faire descendre. Ouais, faut les faire pas descendre, faut pas tomber. Carré. Bon, je fais descendre les miens aussi. De toute façon, je vais les mettre là. Vous allez rester ici. Ouais. Cassez pas les pieds. Dégâts à distance. Toi, tu vas tirer à là. Allez, toi, viens, dépêche-toi un petit peu. Fais voir ton boulot. Bonne mêlée sur le troll. Je vais mettre le tueur sur le bout du cul là. C'est quoi ça, des trolls encore? Ils font chier avec leurs trolls. Ouais, il y en a 3 ou 4. Venez buter ça. Bon, j'ai fait n'importe quoi de ce côté-là. N'importe quoi. Putain. Allez, faites voir feu sur les orques. Allez, vous avez slot les trolls. Eh oui, bien sûr. Allez, go les gars. Et arrêtez de fuir comme des tapettes. Là. Allez, ah, mode mêlée. Mode mêlée, là. Montrez ce que vous valez. Ça, c'est une bonne idée, ça. Vous aussi, mode mêlée là. Vous êtes des victimes. Si vous crevez, si vous crevez, ça sera que du bien. Ça, tu sens qu'il y a un ressenti. Allez, vous essayez de faire servir à quelque chose, tiens, une fois. Allez. Est-ce que vous allez y arriver, moi, à tirer une fois? C'est qu'ils ont fait des morts. Oh bah tiens, à force d'essayer, tu arrives à truc en défaut. Il y a une balle qui se perd quelquefois. Voilà, là, les orques sauvages sanglés, me dis pas que vous avez pas la range quoi, ils sont au milieu de la carte. Oh putain, si vous pouvez mourir, vous, tous les deux là. Fuis pas, reviens. Ah bah voilà! Toi tu raisonnes à mort. Hein? Tu raisonnes à mort chez moi. C'est bizarre. Ah bah putain! Allez, dis-moi qu'il y en a un qui... Dis-moi que j'ai réussi à en tuer. Au moins quoi? Unité. Non mais dis-moi que je... Avec les autres, dis-moi que j'ai réussi à les faire tuer quoi. Ah les orques noirs ils ont fait du putain de dégâts. Ah, oh, c'est normal. Ah, les marteliers 110, quoi. Puis ils ont rien pris, hein. Pas grand chose. Ouais. Heureusement qu'on a les longues. Putain. Même les tueurs, ils ont fait un gros taf. Hein. Ah, je les ai envoyés contre tout ce que je pouvais les envoyer. J'ai pas de. Au moins, tu prends une grosse ville là, tu vas pouvoir piller, te faire la race de thunes. Ouais, je pense que je vais piller puis occuper là. Ouais. Ah, on verra, dépend de quand. Comment ça s'est passé. T'as 12 cas, moi, je pille. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, ça je peux balancer. Ça va pas, ça je vais gagner. Je vais faire. Si je vais pas faire ensemble de recrutement. Province économique. Attends, essentiellement. Ici, bah attends la régène, je vais quand même. En arquebusier, et c'était. Où est-ce qu'ils sont les arquebusiers là? Et I must keep my holy vow. Pile le temps qu'il me faudra pour réagir, c'est nickel.
J'ai que deux unités d'archer, là, j'ai combien? Maître ingénieur. Oh, on va continuer là-dessus, ce sera bien. Plus de portée. Ça, au prochain rang, plus 15 de portée. Maintenant, ici, je vais faire un guillage. Doc Caraz, je vais faire ensemble. Ici, ici, je vais monter les garnisons. Ne sait-on jamais. Toi, tu t'es déjà déplacé. Toi, bah, tu t'es déjà déplacé aussi. T'as pris de la thune alors ? Ouais, j'ai pris 12k. Oh putain. En pillant et en occupant, si je mettais à sac, j'avais 23. Mais je voulais pas gâcher le potentiel d'une ville. Ouais, non, t'as raison. Du coup, là, ça sera vraiment une grosse province économique. J'ai aussi fait. Parce que ça s'est jamais perdu. On s'arrête là ou bien on continue ? On va à la fin du tour et on stoppe. Moi, je suis à la fin de mon tour. Vas-y, enfin, on finit le tour, quoi. T'as une bataille à faire le prochain tour ? Ça va dépendre des peaux vertes. Bon, ben, on va faire quand même mon tour, parce que j'ai pas de bataille, et puis on verra le tien. Ah, bah, ça va dépendre maintenant. Ah oui, bah, mais je pense qu'ils vont t'attaquer. Ouais. Je pense qu'ils vont t'attaquer. Ouais, je pense aussi. Moment de vérité, maintenant. Quand il m'attaque. Ouais. Oh putain. Ouais. Ouais, c'était sûr. Ah, c'est moi qui les intercepte donc. Ah bah, refuse. Donc ça vaut mieux. Oh putain, heureusement. Ils me sont passés par-dessus en fait. Ils ont fait une grosse connerie. T'as eu de la chance, hein, franchement. Parce que. J'ai eu de la chance. Au niveau de la compo de l'armée, t'étais quoi? T'étais comment? Bah, j'étais. Bah, techniquement, je suis meilleur qu'eux, mais. T'as eu d'avant donc. Ouais, vaut mieux que tu te régènes quoi. J'ai flingué leur wag du coup. Mais là par contre, ils ont fait une grosse connerie. Ils auraient dû me latter. Et puis attaquer avec leur armée full parce que là, avec les piliers de grenier avec la. Parce que ce tour là, je vais me foutre en garnison au cornu. Puis j'ai ma deuxième armée qui arrivera en pilier de grenier. Je pense pas qu'il l'a. Quoi que ça arrive tendu. Bon, ça, Khemri débarque toujours pas. Khemri sont pas très forts. Hein. Non. Je vois sur la map, c'est pas fameux. On a vu mieux. Qu'est-ce qu'ils ont à l'étendue des espoirs? Est-ce qu'ils ont du recrutement là? Putain, mais je t'entends en écho donc. Hein. Bah, c'est on va regarder ça pour le prochain épisode. Ouais. Bah, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Mais... Je sais pas s'il est. Ah, surtout. Parce que moi je t'entends couper par contre. Ah, c'est bizarre. Tu entendras, tu verras, ça coupe à chaque fois que tu parles. Enfin, on comprend, mais... Bizarre. Alors. Ok, ils sont même pas revenus. Tant mieux. Ça m'a permis de me régénérer. Alors, bâtiment endommagé. Il résistera, renforcer le temple. 3, 4, 5, 6, ils ont 8 unités d'orcon. Bâtiment endommagé, non, je vais pas endommager mes bâtiments. Je perds 40 basques, je m'en fous. Alors, notre palais, on a le prochain tour. Ici, on se met là, on a dit, pour la rébellion. Voilà. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont ici, du coup ? Oh, ils ont encore du. Ah, ils ont une tour d'os par contre, donc là il y a une garnison. À l'étang ? À l'étang, ouais. Ah oui, ils ont déjà une jolie garnison, ouais. De toute façon, je vais y aller. Squelette, garine... Ouais, mais je vais y aller quand même. Oui, tu. Avec une armée, ça passe, hein, c'est bon. On va se faire du mode embuscade à chaque fois, hein. Hop. Non, non, une armée, c'est. Puis après, j'imagine que deux armées sur la tour d'Arcane, ça devrait suffire. On aura même trois, je pense. Je me mets double embuscade. Yes. Je recrute ma quatrième armée. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir?
Munitions, dégâts des tirs, on s'en fout, attribut coureur, résistance physique, putain, que de la merde. De toute façon, il va falloir que je... Combien c'est 200 vases canopes pour eux? Bah putain, on a le temps, hein. Bon, bah écoutez, un seigneur lambda, hein, on va prendre celui-là, les munitions. Les dégâts des tirs, hein. Hop. Tu vas te mettre ici. Tu vas me recruter du tout 4 unités d'archers. Ouais, c'est pareil. Des ghouls. Et ce sera déjà pas mal pour commencer. Donc je pense qu'on va même s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'on va dépasser un petit peu trop. Mon tour a pris un peu de temps. Là on construit rien. T'as grand chose à faire ou pas toi? Non, à part mettre en garnison puis d'attendre les couvertes, j'ai pas grand chose à faire. Ok. Par contre, prochain tour, non. Y'a rien qui presse, t'inquiète. Je pense qu'on va prendre ça. Réduction de temps de chargement pour les chars. Bonus de charge, c'est pas mal, ouais. On va prendre ça. Ok, et ben go. On stoppe là, du coup. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit comme d'habitude. Et puis, ben, à bientôt pour le prochain épisode. Ah ouais, à plus. Bye bye. À plus.